Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi. Jugada de l'equipo de Duprat, Neymar. Wayne Rooney standing there more out of hope than expectation. Messi, encara 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 Messi. Neymar, Rabiot. Or has he got enough room to get up and over? I'm he might keep it down. Messi, encara Messi, gol, 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 gol. La mano de la Fo. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue and already. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, bienvenue pour ce grand décrassage numéro 11. Et oui, déjà, ça passe vite. Hein. L'actualité, on va débriefer l'actualité du foot de la Ligue 1 de ce week-end, l'émission internet, le talk show où je fais réagir les gens du chat sur Twitch, sur la chaîne QTE Prod, mais aussi. Je reçois régulièrement, même tous les lundis, des intervenants via Skype qui se mettront ici en haut à gauche. Et je reçois pour l'occasion un Canet, encore un, qui va bien en ce moment avec Caen. Benoît, on le verra tout à l'heure. Maintenant, on va tout de suite enchaîner avec le premier but qu'il y a eu quand même. C'était le choc d'hier. C'est le match entre Monaco et Paris. J'ai mis les petits se rebellent ici parce que on voit quand même que les Caen justement, les Dijon, les Amiens, les Troyes, et ben ils gèrent bien, surtout Caen hein, en tête de gondole qui arrive à être sixième quand même. Et je trouve qu'il y a une petite rébellion des équipes à moindre budget et je trouve ça assez cool. Alors donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? 2-1 pour Paris, Paris qui s'est vraiment emmêler les pinceaux, on va dire, qui a laissé un peu le jeu aux amis, qui a laissé la possibilité aux amis de Monaco de revenir dans le match, alors qu'ils géraient complètement. Il y avait 80-20 avant le but de cet ami, là, Cavani, j'en parle toutes les semaines. Oh là là, Cavani, qu'est-ce qui s'est passé, Cavani 152e but avec le Paris Saint-Germain, à 4 buts de battre, d'égaler Zlatan, et à 5 buts de le battre pour entrer dans le panthéon des meilleurs buteurs, même. Pour être sur la plus haute marche des meilleurs buteurs de Paris Saint-Germain. Donc c'est énorme, hier il a marqué encore un but exceptionnel. Franchement, que dire de cet attaquant, cet Uruguayen qui aime bien défendre, qui aime bien toucher le ballon, qui aime bien redescendre. C'est juste complètement incroyable. Et Paris menait 1-0, c'était assez cool. Tout se passait bien. Il y avait un super Dani Alves qui est vraiment énorme. Je pensais qu'il était venu vraiment à Paris pour... profiter un peu pour faire un peu de shopping avec sa femme, pour profiter des magasins de luxe, pour vraiment, parce que Paris c'est une des plus belles, sinon la plus belle ville du monde. Et en fait non, il est énorme le gars, il marque des frappes de fou, enfin là pas là en l'occurrence, mais il l'a fait en Ligue des Champions contre Celtic. Il est là sur les passes D, il crée des décalages, c'est juste incroyable, c'est un vrai latéral. C'est difficile quand même pour Meunier de piquer la passe, la place d'Alves quand il est comme ça en tout cas. Mais voilà, un Dani Alves, on n'en parle pas assez, mais qui est vraiment super important à 32 ans comme latéral offensif moderne, on va dire. Mais c'était vraiment super. Bah écoutez, Adrien Rabiot avec une belle coiffure là, la désirless. Non mais sérieusement, Adrien Rabiot, enfin il se décide de jouer en 6. Enfin il décide de se mettre en sentinelle devant la défense avec Verratti un tout petit peu. Là on a vu vraiment sur le schéma de jeu, normalement Rabiot aime bien être 8 et se projeter vite vers l'avant pour essayer de briller, marquer des buts. On voit, c'est ce qui ne collait pas justement avec Véro, sa maman. On disait, voilà, à l'époque, elle appelait Nasser El Arifi pour lui dire, bah je veux pas parce que je veux pas que mon fils joue trop bas parce qu'on le voit pas devant. Et plus t'es devant, plus t'as possibilité de marquer des buts. Donc là, Emery et tout le monde, même Deschamps en équipe de France, ils le mettent numéro 6. Et là, ça y est, Verratti est un peu plus haut en numéro 8, parce que Verratti peut faire le double pivot un peu à la méthode latine et se retourner. Il a une proportion à se retourner énorme, parce qu'il est, court sur pattes, donc il a un centre de gravité super bas, donc il arrive à se retourner, donc il peut faire le double pivot parfaitement. Du coup, Rabiot, il est là, dans un fauteuil, devant le jeu, hop hop, il distribue, il est vraiment exceptionnel. J'aurais pu mettre Draxler qui était super fort aussi, qui a illuminé justement sa action de but sur le but de l'ami Verratti. Ça fait Rabiot,
ça fait Rabiot, Draxler et Cavani. En fait, une flèche qui a transpercé complètement le coffre-fort monégasque. Que monégasque, justement, on va en parler, mais ils étaient vraiment complètement. Glick, Jemerson, Cavani, non, casse-toi. C'est bon, on t'a vu assez, tu marques des buts à chaque fois. Cavani, Glick, Jemerson qui sont... Cavani, c'est bon, hein. Il hante un peu ma tête. Non mais, la défense, elle est complètement... il avait fait une défense à 5. Il avait fait Georgé, il avait fait Touré, il avait fait Glick, il avait fait Jemerson, il avait fait Radji, une défense à 5 énorme, un coffre-fort à la Nantaise, à la Ranieri. Et en fait, ça ne l'a pas fait du tout parce qu'ils se sont fait quand même percer. Car c'est l'ami Touré qui a, comment dirais-je, fauché Neymar, qui s'est fait justice lui-même. Neymar qui a été excellent, qui a brillé vraiment de sa personne, de ses dribbles, et voilà, qui a été franchement énorme. Mais Monaco, il y a quand même un gros problème, parce que je trouve que l'ami Jardim, des fois il trouve la solution, mais il change trop son équipe par rapport aux autres formations qu'il rencontre en fait. Et là, contre Paris, il a vraiment décidé de fermer le jeu, ça n'a pas marché. De toute façon, ça ne marche jamais contre Paris, de toute façon, rien ne marche contre Paris globalement. Contre Paris, ce qui ne marche pas, c'est Paris. Tu vois, si Paris le veut, Paris ne marche pas. Donc c'est un truc de fou. Du coup, là, Jardim a essayé une défense à 5 avec Tielemans, Fabinho, Moutinho en tête de losange et Baldé, Falcao. Baldé, j'aime bien quand il tourne autour de Falcao, plutôt que quand il est sur l'aile, mais ça marchait pas non plus. Quand Lopez est rentré et quand Sidibé est rentré, quand il est repassé avec une défense à 4, c'était beaucoup mieux. Mais Monaco, voilà, ils ont clairement perdu le championnat parce qu'ils sont à 9 points, les Parisiens sont à plus 35. Les Monégas sont à plus 23 ou plus 22 au goal average. On verra d'ailleurs dans le classement en fin d'émission. Mais en tout cas, c'est mal barré. Je pense que Paris s'envole. Mbappé, Kylian, KM29. Pour ce retour, il a coûté un but presque sur le coup franc de Moutinho à la 81e minute. Il la dévie et Areola est battu. Et du coup, il relance les Monégas, il relance son ancienne équipe. Il a tout loupé pratiquement. Il a loupé des face-à-face où Bassit était très bon aussi. Mais il n'était pas dedans. Est-ce qu'il avait la pression de revenir à Louis II, revenir sur le rocher, revenir voir les supporters, même s'il n'y en avait pas beaucoup, on est d'accord. En tout cas, il était tendu. On voyait qu'il n'était pas dedans. Mais en même temps, tout ce qu'il a vécu à 18 ans, on ne peut pas non plus trop lui en vouloir. KM29 a été un peu absent. On croyait qu'il allait briller, mais c'était tellement écrit qu'il allait tout foirer et avoir la pression en tout cas. C'était pas son match à l'ami Kylian Mbappé. On va passer à l'autre match. Et ça me fait plaisir parce que je suis supporter du Stade Rennais. Mais c'était, je parle pas souvent du Stade Rennais parce que c'est des matchs à 8h. C'est pas des matchs décalés ou des grands chocs. Parce que souvent les grands chocs sont décalés par les diffuseurs. Soit le vendredi soir par Canal. Soit Bein l'après-midi, on va dire le dimanche après-midi. Ou soit le samedi après-midi sur Canal. Et c'était l'occasion justement du Rennes-Nantes. Du duel Ranieri-Lamouchi. Lamouchi, son premier match au Roazhon Park. Donc là, moi, j'ai beaucoup aimé l'ami Wahbi Khazri. Wahbi Khazri qui a illuminé tant par son efficacité devant le but, ce qu'il était mis par Lamouchi numéro 9, devant, en faux numéro 9, un peu à la méthode Barça, quand Messi était faux numéro 9. Attention, c'est des... Toutes proportions gardées, ce sont juste des guillemets. Mais... Il avait Brandon et Moubélé sur le banc, mais il fait comprendre en fait à sa direction, à Olivier Létang et Delanoë, qu'il n'y a pas clairement d'attaquant numéro 9 en pointe au Stade Rennais. Du coup, bah, il demande un peu de chercher pour le mercato d'hiver une pointe. Peut-être Diafra Sakho qui reviendra peut-être comme ça sur le coup. Olendil qui dit le double buteur, c'est clair. Diafra Sakho qui devait venir de West Ham, peut-être qu'il va revenir, on en parle, ou peut-être qu'on va peut-être attendre janvier, Ismaïl Essar, qui était un peu la pépite, même si c'est pas un attaquant de pointe, mais pas un numéro 9, qui va peut-être revenir. En tout cas, Khazri a fait le taf sur des actions plus ou moins litigieuses, mais on voit qu'à vitesse réelle, le ballon est contré par un des défenseurs qui prend en sandwich, Johan Gourcuff. Johan Gourcuff qui a notamment été très bon pour ce retour. Je trouve qu'il a montré cette classe, il a une patte. Il a un truc vraiment au-dessus des autres, mais il est fragile. Là, il est un peu pâteau, il est un peu grassouillet. Il faut qu'il s'affûte, mais en tout cas, il n'avait pas joué depuis le début de saison parce qu'il s'était blessé au péroné suite à un contact. Du coup,
De Gourcuff et Cazeri, les deux devant, les deux techniciens, on voit que ça a bien marché, ça a bien dédoublé. C'était assez intéressant. Il y a eu vraiment des trucs pas mal faits entre les deux, même si c'est presque le même profil. Parce que Gourcuff ne peut pas jouer sur une aile globalement, il peut jouer vraiment en milieu de terrain offensif, en espèce de 10 à l'ancienne. Mais Cazeri peut jouer sur une aile. Mais là, il a joué numéro 9, en tout cas, c'était super. Sur le deuxième but, est-ce qu'il y a une faute sur Salah? On voit que Salah, on va dire, il tombe bêtement parce que c'était un combat, l'arbitre a bien vu. Et j'en parlerai juste après pourquoi. Ouais, sa fragilité ruine une carrière en or qui lui tendait les bras, exactement, Benoît. Mais on voit que les Nantais ont eu 7 cartons jaunes, dont un rouge, bêtement, de Palois, son 5e de sa carrière. Il a grappillé pour rejoindre Cahuzac, qui est recordman avec 8. Et du coup, j'ai l'impression que l'arbitre a fait un peu de compensation. Il y a un qui est très bon aussi, c'est le jeune James Léa Siliki, qui est là en centre de formation. C'est intéressant parce qu'il y avait Gélin aussi au centre de formation. Il y a Nianion aussi. On voit que Rennes est en train de faire un peu sortir et éclore des bons jeunes. Et James Léa Siliki est intéressant. Il faut penser à Abdoulaye Doucouré. Je ne sais pas si vous voyez un peu qui je veux dire, qui joue à Watford, qui a joué à Grenade aussi en prêt. C'est un milieu box-to-box qui a une bonne technique balle au pied, qui a une bonne frappe et qui arrive à percer les lignes vraiment et à laisser André justement faire ce rôle de double pivot et de gratteur. Du coup, c'est lui qui percute et c'est lui qui va alimenter un peu ce trio qui était Bourigeau, Cazeri, Adrien Ounou. Et donc, ça sera très intéressant. Il bénéficie de la blessure de Persic et je pense qu'il va être difficile à sortir du banc. Voilà, on va parler de Ranieri. Alors Ranieri a fait une combinaison, parce qu'il a dit ironique en disant voilà, je pense que l'OM avec ce... C'est un accent anglais, moitié. Rennes, avec ce rythme-là, je pense qu'ils peuvent être champions de France. Ouais, le meilleur joueur a été l'arbitre, parce que bon, il s'est senti lésé. Mais je le comprends, ça aurait été du sens contraire. Je pense que ça aurait été complètement légitime de dire qu'on se sent lésé. Mais en tout cas, voilà. L'arbitrage a été en sa défaveur sur le coup, mais tout s'équilibre. Hein. Rennes aussi aurait pu bénéficier de fautes ou de pénalties ou de cartons rouges non attribués aux joueurs rouges et noirs dans d'autres matchs. Donc ça s'équilibre. Hein. Les dieux du foot sont là pour réguler un peu tout ça. Et du coup, bah, il a fait une combinaison d'une boucherie avec un bus. Concept de boucherie-bus. C'est assez impressionnant. Quand même, Ranieri, il est cinquième, c'est encore bien payé quand même, je trouve. Ils ont égalisé sur pénalty sur une faute de Mécher sur Dubois dans la surface. On voit pareil que là, il en rajoute un peu la Minantais, mais il y a pénalty indiscutable de toute façon parce que Mécher est en retard. Mais il égalise face à Koubek, ça lui passe vraiment devant, le gardien à 1m98. Une frappe complètement en force. Et donc, il n'y a que des défenseurs. Là, il y avait Nakulma qui l'avait rajouté par rapport à Paris. Mais c'est des Dubois, c'est des Rongier, c'est des Giroto qui est rentré en cours de jeu, mais c'est des Diego Carlos, c'est que des bourrins, quoi. Donc il met le bus et en plus il fait des fautes. 7 cartons jaunes dans le match, c'est quand même assez énorme, tout le monde a été averti. Diego Carlos notamment aurait pu, je pense, prendre un deuxième carton jaune pour avoir un rouge en tout cas. Mais je trouve que Ranieri c'est bien cher payé, c'est 5e. Si ça finit en tout cas dans le top 5 français. C'est comme ça, avec Leicester, il a réussi à faire le titre en championnat anglais, en première ligue, mais je trouve ça assez triste quand même, ce jeu super défensif, manque de spectacle, le pauvre Salah devant, heureusement qu'il y avait Nakulma qui l'accompagnait pour prendre des photos, mais c'était vraiment pas terrible, en tout cas Nantes se fixe que sur sa défense, et là, bah, ils ont craqué, parce que à force de reculer, à force de ne pas faire grand-chose, bah, tu perds en tout cas, même si c'est vrai, l'arbitre a été en faveur de Rennes. Je dis pas qu'il a sifflé en faveur de Rennes, c'est qu'il a été plutôt favorable à l'équipe qui attaque, on va dire pour résumer. Voilà les amis, on va accueillir la première sélection dans l'équipe QTE Prod, l'ami Benoît, 1495, et oui, l'ami Canet. Donc on va parler notamment de Caen, parce que Caen, ça a carrément bien en ce moment, c'est quand même la folie. Je vais pas laisser Gourcuff parce que sinon il va pas aimer. Donc, on va appeler l'ami. Hop. L'ami Benoît. C'est parti. On l'appelle. Il va apparaître ici. Et on va tout de suite enchaîner sur un match qui a eu. Mais qui c'est? Ouais. Oh,
Mais qui c'est? C'est Benoît. Bonjour Benoît, bienvenue pour ta première sélection dans le grand décrassage. Bienvenue à toi. Salut. Honneur, l'ami. Donc, j'ai un peu résumé les matchs que je voulais parler en ouverture, les matchs les plus importants. Et je disais sans blague que c'était le match de samedi après-midi, le derby. C'était pas parce que je suis fan du Stade Rennais ou j'ai un maillot. Ça n'a rien à voir. Si tu veux bien, on va enchaîner avec Nice-Lyon et cette tôle des Niçois. Ah ouais. Ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que, encore une fois, sans Fekir, parce que cette fois il était malade. Ouais. On voit que sans Fekir, Lyon tourne très très bien aussi. Et je pense que cette année, on va dire que le challenger, c'est pas du tout Monaco, c'est Lyon. Là, vraiment, il y a pas de discussion. Qu'est-ce que tu as bien aimé en fait dans l'animation offensive? En plus, Traoré, il s'est pété, je crois. C'est le jeune Cornet, ouais, qui remplaçait. Mais ça, ouais, ça tourne bien même sans les titulaires. C'est assez impressionnant. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Et puis là, on voit que un mec comme Depay, qu'on a souvent dit qu'il n'était pas toujours à fond, qu'il faisait beaucoup de ratés, on voit qu'il commence à être vraiment dans le rythme aussi. Mariano commence à jouer un peu pour les autres. Donc là, non, maintenant, on voit que Lyon, ils affichent clairement des ambitions. Et Monaco a intérêt de faire très attention parce que c'est plus Monaco le numéro 2 en France. C'est ça. Mais on voit que dans le classement du top 5 des buteurs, il y a Fekir, Diaz et Depay. Donc ça veut dire quand même que... Il me semble que c'était une des meilleures attaques européennes jusqu'à ce que... Je ne sais même plus si c'est pas la meilleure attaque européenne d'ailleurs, je crois. Oui, je sais plus. Bah, en même temps, ils font que des cartons en ce moment. Donc, oui, c'est ça. Ils font des sets de tennis comme la Coupe de France. D'ailleurs, ouais. la Coupe Davis, en tout cas. Lyon, c'est intéressant. Ça marche bien en Coupe d'Europe. C'est deuxième. Je trouve ça normal. Mais qu'est-ce qui va avec Nice? Alors, 18e, premier barragiste. Ouais, bah là, franchement, ça devient incompréhensible parce qu'il n'y a pas tellement de différence entre le Nice de l'année dernière et celui de cette année. Et il n'y a rien qui va. À une exception quand même qui est très notable, ouais, c'est que Lucien Favre ne fait plus jouer Cardinal dans les buts. D'accord, c'est Benitez. Hein. Et ouais, c'est Benitez. Et là, franchement, on comprend pas. Moi, franchement, je comprends pas pourquoi il aligne pas Cardinal dans les buts, quoi. Parce que Benitez, il est lent, il est lourd. Et on sent que il va faire quelques bons arrêts, on va dire réflexes. Mais quand il s'agit d'aller vraiment la chercher, on sent bien que le mec, il n'est pas... En fait, il n'est pas serein du tout. Et ça se sent, c'est ça. Le mec, il est inquiet. Parce que Nice en Coupe d'Europe, bon, bah, ils sont qualifiés contre Zulvarigem en Europa League. Donc je me demande, est-ce qu'il lâche pas... c'est con, parce que c'est risqué quand même. Est-ce qu'il ne se concentre pas sur l'Europa League? On sait que là, l'Europa League, ça se jouera, je crois... en février pour les 16e de finale, mais je vois pas comment. Ils n'ont pas perdu grand monde au mercato. Il manque qui? Il manque Walter, je crois. Il manque un latéral qui est parti en Italie. Mais c'est pas, ouais, c'est pas énorme, quoi. Il y a les mêmes joueurs, hein. Mendy, Seri, Cosiello, Balotelli, Pléa. Ouais, et ils ont récupéré Snyder au milieu, qui était, ouais, censé être un vrai plus, quoi. C'est et pour l'instant. Il va faire quelques très bonnes passes dans un match, mais il ne retourne pas un match comme il a pu le faire par le passé. C'est ça qui est bizarre, en tout cas. Bon, on enchaîne avec une autre équipe qui va bien. C'était un peu plus compliqué, c'est les Marseillais. Marseille-Caen, 1-0, ouais, invaincu depuis 9 matchs, but de Thauvin. Qu'est-ce que tu en as pensé des Marseillais? Eh ben, les Marseillais, ça tourne bien. C'est surtout le milieu qui gère, quoi, parce que devant, il y a beaucoup de déchets. Ça tente beaucoup, ça frappe beaucoup. Ils n'ont pas de chance aussi. Mais ça tente beaucoup. Mais c'est surtout le milieu qui occupe le terrain. Et il n'y a rien en face, quoi. Gustavo, comme d'habitude, il est énorme. C'est ça. Et quand on voit le petit Lopez à côté de lui, on se dit qu'à eux deux, ils font pratiquement un milieu de terrain rien qu'à eux deux, quoi. Et c'est un mec comme Gustavo. Je pense qu'il y a beaucoup de milieux de terrain qui peuvent le regarder jouer, et il est énorme, quoi. C'est peut-être actuellement le meilleur joueur du championnat. Oui, c'est clair, il est énorme. Franchement, plus, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que malgré qu'il ait le retour de Payet, il a décidé de laisser Thauvin sur le terrain, qui est Sanson sur le terrain, qui, je trouve, est énormissime, quoi.
Ouais, mais Payet, on a l'impression que ça l'intéresse pas. Franchement, c'est toutes les semaines, c'est de pire en pire. C'est... La Ligue 1, ça le concerne pas plus que ça, on dirait. Ouais, on dirait qu'il est venu vraiment. Il était venu pour des raisons personnelles. Il est revenu à Marseille pour des raisons personnelles, mais je trouve que ouais, il est lourd. Je pense qu'il a perdu sa place en équipe de France, à mon avis. Enfin, en tout cas, j'espère. Enfin, j'espère pas. J'ai rien contre l'homme, mais je trouve qu'il est. Il est bof. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, avec les Bleus, il y a tellement de possibilités devant que. On n'a pas besoin d'un Payet, quoi. Bah non, c'est clair. Mais bon. Et Guingamp, ça va mal. Je crois que c'est 2 points sur 15 depuis Rennes, justement. Depuis la victoire contre Rennes. Et depuis, ça va pas du tout. Bah, Guingamp, ça patine, quoi. Ça joue pas spécialement mal, mais y a rien. Ça propose pas grand-chose, quoi. C'est dommage, parce que, pareil, c'est une équipe qui a des bons joueurs, même si souvent c'est pas mal de joueurs un peu vieillissants, et il leur manque peut-être un joueur qui serait, enfin, un jeune devant qui pourrait allumer un peu tout ça, parce que bon, de remettre toujours Briand, tous ces mecs là j'aime bien Briand, mais il commence à vieillir aussi, lui, et ils ont besoin je pense qu'au mercato l'arrivée d'un ou deux joueurs pourrait changer beaucoup de choses pour Guingamp. Après, je sais pas. Après, bon, est-ce qu'ils sont pas vus plus beaux qu'ils étaient? Mais je pense que le but de Guingamp, c'est comme le maintien. Enfin, j'imagine. Bah cas. Voilà, ouais, c'est pas. Non, ils ont pas des ambitions super hautes, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs. Il y a plus de la moitié du championnat qui vise le maintien. Donc maintenant, non, je pense pas que Guingamp soit et des rêves d'Europe ou de quoi que ce soit. Mais on sent que ça patine, il y a quelque chose qui marche pas. Mais bon, je pense que derrière, il y a pire encore, donc oui, pour le maintien, ça, oui. Voilà. Le maintien sera tranquille. Bon, bah, on parle de ton équipe, hein, et l'équipe de Guillaume, quand Bordeaux, ça continue de quelle ça belle continue équipe. De gagner, quoi. Hein, ça continue quelle de belle équipe. Qu'est-ce qui va... Bah, résume-moi un peu, est-ce que tu y étais ou pas? Ah oui, bien sûr que j'y étais. Bah alors, j'étais juste derrière le but. Bordeaux, c'est plein un peu de l'arbitrage, connerie ou pas? Non. Objectivement, si l'arbitre donne 2 pénalties à Bordeaux, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Non, mais bon, Bordeaux, ils ont le même problème que depuis déjà pas mal de temps, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent plus. Ils ont 17 points, je crois. Ouais, c'est ça, ils ont 17 points, donc 15 points sur les 7 premiers matchs, 2 points sur les 7 matchs d'après. Donc ils n'y arrivent plus. Depuis la tôle contre Paris, je crois qu'ils n'y arrivent plus. Ouais. Mais il y a beaucoup d'équipes. Si on reprend les équipes qui ont déjà affronté Paris, il y en a beaucoup qui ont du mal à se remettre de la tôle contre Paris. Hein. C'est ça, exactement. Mais parlons de Caen, justement. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand même? Quand c'est l'équipe, toutes les semaines on reprend les journaux, France Foot, l'équipe, tout ça, c'est l'équipe surprise. Sauf que comme c'est toutes les semaines maintenant, c'est de moins en moins l'équipe surprise. Donc je pense que là on a fait les matchs faciles. Là on a un mois de décembre avec Lyon et Paris. Ah, bon test. Mais en fait là on est libéré. On a pris des points, on est à 22 points fin novembre, c'est très bien. Du coup, on va pouvoir aller jouer Lyon et Paris sans pression. Là, dès dimanche, on reçoit Lyon. Bah, même si on prend une tôle, bon, bah, on a déjà 22 points. Il faut se dire qu'on vise le maintien, pas plus pour l'instant, de toute façon. Même si on est sixième, l'objectif, il est clair, c'est de rester en Ligue 1. Et au vu de ce qu'on est capable de faire, quand notre milieu tourne bien... parce que bon, là, samedi, on avait quand même Bennacer qui est revenu de blessure, qui a été exceptionnel. Ouais. Ferré, dans un très bon soir, qui a enchaîné les passes et les dribbles vraiment impeccables. Ferré, il est énorme, de toute façon. Ferré, c'est le meilleur joueur du monde. Et bah oui, ça, de toute façon. Mais, et puis, c'est notre grand capitaine. C'est ça. Non, mais il est décrié. Je disais ça avec Guillaume, il est souvent décrié chez vous, mais j'ai jamais compris pourquoi, en fait. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y était pas avant, et maintenant, bah, forcément, avec les années, il commence à accuser le coup sur certains matchs. Là, samedi, là, les 10 dernières minutes, il était cramé. Ouais. Et on a notre cher entraîneur,
Alors lui, tiens, s'il pouvait dégager aussi. Mais lui, il veut pas le faire sortir. D'accord. Et là, franchement, il y avait besoin de le faire souffler. Parce que là, on enchaîne, on joue demain soir déjà. Et le truc, c'est que à enchaîner les matchs comme ça, ce qu'il va réussir à faire, c'est le blesser. Et derrière, il va falloir pouvoir jouer sans lui. Bah c'est ça, donc vous allez à la méno demain. C'est voilà. Toujours tendu de gagner là-bas, même si... Pas de gagner, mais au moins de faire une bonne prestation parce qu'il y a le public derrière, c'est assez le feu. Mais bon, ouais, mais je pense quand même que Caen peut aller chercher les points là-bas. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Bah, avant Paris, ouais, avant Paris et Lyon, ce serait cool de prendre des points sur les. Ah bah, ça, si on pouvait être à 25 avant Lyon et Paris, ce serait fantastique. C'est ça. Une équipe qui n'est pas à 25 du tout, en tout cas, c'est Lille qui a pris une pile. Oui. Contre Montpellier. Putain, c'est la crise 19e, je crois. Pas de Bielsa, Sacramento. Je crois que c'était un club de basket, mais non, en fait, c'est un entraîneur qui est à la tête de Lille, donc c'est la catastrophe, quoi. Bah là, Lille, ils savent plus quoi faire, parce que là, ça, en fait, c'est les mecs de la cellule de recrutement qui sont passés entraîneurs. Ouais. Donc, je pense qu'ils cherchent absolument une solution au moment du mercato, et en gros, c'est on serre les fesses jusqu'à fin décembre, et puis on verra, quoi. Alors bon. On parle de Galtier, on parle de Blanc, on parle des anciens. Ouais. Quoi. Bah Galtier hier il était dans le CFC, il a dit qu'il était intéressé. Ouais. Mais à la limite, s'il se maintenait prendre Lille l'année prochaine, ça peut être intéressant. Prendre Lille maintenant, c'est très risqué. Hein. Ah oui, c'est clair, c'est risqué parce que les joueurs, il y a des bons joueurs, mais Bissouma, je pense à Benzia, même Balouli, Thiago Maia, il y a des bons joueurs, mais c'est des mecs qui n'arrivent pas à jouer ensemble, ils n'étaient pas à leur poste avec Bielsa. Enfin, après, on prend pas ouais. La polémique sur Bielsa parce que vraiment c'est sans fin. Il y a les pour et contre Bielsa, il y a pas les entre-deux. Mais Et puis le truc, c'est que au recrutement, pour l'instant, le seul joueur concluant parmi les recrues, c'est El Ghazi qui vient de se blesser. Ouais. Donc là, c'est encore la tuile pour eux. Mais si une chose qui pourrait peut-être sauver Lille, c'est de changer de gardien parce que bon, ils ont Enyama qui est dans le loft et c'est quand même hallucinant de se passer d'un joueur comme ça, quoi. Ouais, c'est mis au placard par Bielsa. En tout cas, Montpellier avec Derzakarian, c'est 7e. Ça fonctionne bien. Bah après c'était Lille en face, c'est vraiment dégueulasse comme jeu, c'est défensif, ça avance en contre, c'est pas beau. Bah ouais voilà, ça, là pour une fois ils sont dit c'est Lille en face, on va attaquer un peu, mais bon. Ouais, possession de balle, ouais, non. Ils avaient, chez eux ils ont 38 possessions de balle, 38% de possession de balle quoi. Ouais voilà, ouais. Mais après Montpellier c'est quand même peut-être la seule équipe du championnat. On verra à la fin du championnat, mais qui a fait le nul contre Paris et contre Lyon. C'est ça. A joué mal derrière, à rester en défense et à surtout rien montrer, bah, ils ont réussi à faire 0-0 contre les deux. C'est ça. Ouais. À voir sur les prochains matchs. Autre tôle aussi, c'est j'ai mis les petits se rebellent, parce que les petits promus arrivent à bien jouer et marquer des points et se mettre dans le ventre mou. 3 Angers. 3-0 ouais. Pour 3. C'est bien, hein? Bah ouais, c'est 3. Bien, j'ai rien contre Angers, mais j'y dis, c'est bien. Enfin, c'est bien pour si, 3. C'est bien. Hein. Moi, je suis content. Bah, Angers, ça surprend plus. Enfin, ça surprend plus personne. On a été pendant pas mal de temps à dire Angers, c'est beaucoup d'engagement, c'est vachement physique, c'est du combat. Ouais, mais à force, ça propose pas grand chose de plus. Donc, ça. Je pense que maintenant, la formule, tout le monde la connaît. Et j'ai peur que Angers commence à vraiment avoir des grosses déconvenues là-dessus. Hein. C'est vraiment, on la connaît l'équipe maintenant. Ouais, la Dalle Angevine, c'est les mecs qui culminent à 1m80, 85, tout l'équipe. C'est quoi, ça, ouais. Leur technique, c'était sur les coups de pied arrêtés, ça ne fonctionne plus. Ils sont 17e, ils sont au fond du classement, 16 ou 17e. Il y a un Angers-Rennes qui va être intéressant mercredi. Et ouais, ça va être chaud. Et puis à noter l'attaquant de Troyes, le Coréen, là, Suk. Ouais, Suk, ouais. Alors lui, il est à 3 buts en 3 matchs. C'est ça, ouais. Il est très, très, très en forme. Il y a lui et Kawi. Ouais, Kawi, prêté par Marseille, ouais. Qui fonctionne bien, ouais. Ouais, voilà, donc ça joue bien, là, en ce moment, Troyes, c'est propre. C'est pas mal. Bah, autre équipe qui joue vraiment bien, je pense que c'est celle des. Petit qui joue le mieux, c'est Dijon justement avec un autre Coréen qui est énorme, qui a battu Toulouse. Oui. Après Toulouse, c'est nul aussi pareil. Putain la vache. Oh, c'est une cata Toulouse. Hein. Ouais.
À Toulouse, ils n'ont pas eu de peau parce que je pense que Gradel rate un penalty à la 3e ou 4e minute. Et s'ils le mettent, le match, c'est pas le même. Parce qu'on sait comment Toulouse peut défendre derrière. Si Gradel rate pas son penalty, je pense que le match peut être très différent. Mais Dijon, ils ont une force. C'est leur gardien, c'est Baptiste René. C'est ça, il est fort. Hein. Très, très fort. Et du coup, il arrête le penalty. Et derrière, bah, voilà, ça se joue dans la tête. On sait que Toulouse, dès qu'ils se mettent à douter, ça devient catastrophique. D'ailleurs, on l'a vu, Duprat, il a dit que ses joueurs, c'était des mannequins ou je sais plus quoi. Donc, c'est ça, ouais. Il a fait 3 changements d'un coup. Il a sorti Toivonen, il a sorti tout le monde pour mettre de l'or, pour mettre un peu de fraîcheur. De l'or a d'ailleurs marqué son 3e ouais. but. On voit que je crois que Delors est impliqué dans 50% des buts de Toulouse, donc ça veut dire qu'il ne marque pas beaucoup de buts, Toulouse, les pauvres. Ouais, et en plus, il est rarement titulaire, donc il est impliqué sur les buts et il joue peu finalement. Ouais, Rebonito qui Duprat, c'est juste le roi de la punchline. Ça. Ouais, il parle beaucoup, il fait beaucoup de reportages, il parle beaucoup dans Canal, dans Canal Plus et tout. Il était consultant avant, pendant qu'il était un peu sans club, mais ouais, je comprends pas trop ce qu'il fait. Par contre, Deloglio à Dijon, c'est bien, hein, ça joue bien. Hein. Franchement, hein. Ouais, c'est propre, hein. Ça joue bien et ça joue vite. Quand ça accélère, faut les arrêter. Hein. Ça c'est clair. Mais s'ils arrivent à se maintenir en jouant, en tout cas, ça va être pas mal s'ils finissent dans le ventre mou, 10, 11, 12e. C'est bien. En tout cas, autre équipe aussi, Amiens, qui fonctionne bien avec un Kakuta toujours en feu. Et ben, en même temps, c'est Metz. Hein. Mais bon, ils ont battu Metz 2-0. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? Semaine après semaine, Metz, c'est toujours la même chose, c'est catastrophique, quoi. Je pense que c'est foutu déjà pour eux. Ouais. Là, ils ont plus grand chose à espérer. Maintenant, il faut qu'ils préparent l'année prochaine, qu'ils commencent déjà à bétonner les contrats s'ils veulent garder certains joueurs à Noël. Parce que ça, on sait bien quand c'est comme ça. Toutes les équipes d'à peu près, on va dire, dans le même groupe, quoi. Donc, Angers, même probablement Lille. S'ils peuvent acheter un joueur ou deux de Metz à Noël, ils vont le faire. Hein. Parce que l'année prochaine, Metz, ce sera la Ligue 2. Hein. Mais t'imagines qu'on est à la 14e journée, ils sont battus pour monter et on est en train et Paris est champion. Ouais. Voilà, le championnat, il est fini. On connaît le premier et le dernier. Oh putain, c'est fou. En tout cas, Amiens, ça tourne bien. En tout cas, pareil pour un promu avec Kakuta, Konaté, Zungu, là, son premier but. C'est pas mal. Ça joue moins bien que Dijon, mais c'est bien, c'est efficace. Hein, ça continue en tout cas à pas perdre. C'est pas mal, oui. Ça fait 6 matchs sans défaite, là, déjà. Ouais. Donc pour un promu, c'est quand même très bien. Je trouve, ouais. Après, je pense qu'ils ont... Ils ont souvent des largesses de l'arbitre. J'ai l'impression qu'ils sont pas toujours super bien arbitrés, les Amiénois. Après, voilà, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils ont bénéficié de beaucoup d'erreurs d'arbitrage, on va dire. Ah, d'accord, ok. Dans le sens, ouais. Dans le sens pour eux. Ouais, exactement. Peut-être qu'on les aide par rapport, je sais pas, je dis ça comme ça, par rapport à la rambarde qui s'est cassée, par rapport à, je sais pas, peut-être que c'est une compensation, j'en sais rien. Peut-être que t'as raison. Je sais pas, mais je trouve que quand on reprend les matchs, il y a toujours des petits gestes, des petites fautes et tout ça qui sont ou pas sifflés quand c'est eux, ou justement quand c'est à leur avantage, c'est signalé. Enfin bon, je trouve que Amiens, a beaucoup de chance. Après. Okay. On va dire ça comme ça. On finira, Benoît, sur le match de vendredi, le Saint-Étienne-Strasbourg, le deuxième match de Julien Sablé. Bon, ben, c'est pas un super résultat, mais bon, c'est déjà un point de prix pour Saint-Étienne qui va très mal quand même. Ouais. Saint-Étienne, je pense que quand la crise sur le banc sera passée, ça ira beaucoup mieux. Là, c'est Jean-Louis Gasset qui est venu pour seconder Sablé. Bon, faut voir ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils vont aligner là sur les prochains week-ends. Après, il y a quand même un problème en défense, c'est Pogba. Ouais. Pogba, là, franchement, c'était une catastrophe. Vendredi, il a fait n'importe quoi du début à la fin. Il était mis en latéral, je crois. Il a fait une partie en latéral, mais bon, de toute façon, toute la soirée, on a l'impression qu'il comprenait pas ce qu'il avait à faire. Il savait pas où se placer. Il savait pas, même dans ses passes, il faisait toujours les mauvais choix. Alors,
On aurait peut-être dû le mettre en latéral de Geoffroy Guichard dans les tribunes, quoi. Ça aurait été pas mal. Oui, voilà, ouais. Non, bien assis au chaud, à l'abri du vent. C'est ça, il aurait peut-être compris. Non, mais voilà, Saint-Etienne, je pense que ça sera pas européen cette année comme l'année dernière, donc il y a une certaine crise de résultats quand même. On voit que Galtier, mine de rien, si on l'aime pas, si c'est pas sexy comme jeu, il est arrivé à apporter, comment dire, mais pas une grinta, mais un côté... il avait une vraie touche, quoi, sur le jeu. Mais on voit, mais bon, ça va le faire. C'est pas une équipe qui va non plus descendre, hein, qui est en crise comme Nice. Non. On verra. Par contre, à noter quand même le bon match de Strasbourg qui revient deux fois. Qui continue, ouais. Et Strasbourg, c'est 18e, je crois. Ouais. Et franchement, ça mérite mieux. Hein. Oui, carrément, ça mérite mieux. Ça a l'envie. Il y a des bons joueurs. Il y a Liénard. Il y a des bons petits joueurs, mais ils ont pas de réalisme. C'est ça. Il manque un tueur devant. C'est ça. Exactement. Peut-être, ouais. Peut-être un Santini. Ah ouais, mais lui, on le garde. Hein. Il est à nous, celui-là. On finira sur cette belle parole. Merci, Benoît. Hein, pour je t'en prie. À plus tard pour une prochaine sélection. Et puis, quitte pas, reste sur le chat. Salut, ciao. Merci. Salut tout le monde. Salut. Hop, parfait, c'était cool. On va voir les résultats en direct. Benoît était parfait pour sa première, c'est génial. On va voir les résultats de la Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Ligue 1? Hop, j'agrandis parce que de loin. Hein. Monaco donc a perdu contre Paris Saint-Germain 2-1. Marseille 1-0. Nice a pris une pile à domicile contre Lyon 5-0. Montpellier 3-0. Metz a perdu contre Amiens 2-0. Dijon 3-1. 3-0. On dirait que c'est fait exprès. Caen 1-0. But de Santini, on en parlait justement à l'instant. Benoît. Benoît Santini, c'est pas mal ça. Rennes a battu Nantes pour le derby. Et Saint-Étienne-Strasbourg, donc 2-2 vendredi. Ce qui donne au classement Paris, qui a déjà 9 points d'avance sur Monaco, avec un golage particulier de plus 13 par rapport au Monégasque. Non, par rapport à Lyon, excusez-moi. C'est vrai que Lyon est passé deuxième. Monaco troisième, égalité de points avec Lyon. Marseille qui revient à un point aussi quatrième. Et il y a un petit trou, 5 points plus tard, c'est Nantes, 23 points. Caen, 6e, 22 points. Montpellier, 7e, 20 points. 8e, Saint-Etienne qui est encore en haut quand même, mine de rien. Avec 19 points, 9e, Rennes pour la première fois de la saison dans la première partie du classement. 10e, Amiens, 3 18e, 3, 11e, 18 points, Dijon, 18 points, 12e, donc des petits qui se rebellent comme je l'ai mis là dans le synthé, Bordeaux qui était 3e il y a 7 matchs, qui est 13e maintenant, Toulouse, 14e, 16 points, Guingamp, 15e, 15 points, Angers, 16e, 14 points, Strasbourg, 17e, 14 points, et là Nice et Lille, premier barragiste Nice, relégable, Lille avec 8 points d'écart avec une Metz qui a l'air mal parti quand même pour rester dans la charrette. Prochaine journée, c'est mardi, mercredi, Strasbourg-Caen, Amiens-Dijon, Bordeaux-Saint-Etienne pour mardi. Mercredi, Lyon-Lille, gros match hein, pour les Lillois, Nantes-Monaco, Metz-Marseille, Toulouse-Nice, Angers-Rennes, Guingamp-Montpellier et PSG-3. Il y a une autre journée car on se verra que lundi pour le grand décrassage, donc il y aura plein de trucs à dire. Bougez pas. Je cherche la prochaine journée. Elle est ici. Dijon-Bordeaux, Strasbourg-Paris-Saint-Germain. Ça va être chaud à la Méno. Lille-Toulouse, Monaco-Angers, 3-Guingamp, Nice-Metz, Rennes-Amiens, Saint-Etienne-Nantes. Un classique. Caen-Lyon. Allez, les Canets qui ont intérêt à prendre des points. Et Montpellier-Marseille. Voilà les amis. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner là, ici, là, sur ma tête. Pour suivre la chaîne et être au courant des dernière vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu hein, comme quand Benjamin Nivet vous fait une bonne passe et quand vous êtes content, quand vous appelez Grand Cire, quand vous marquez des buts, mettez un pouce bleu si vous kiffez, ça coûte pas cher et moi ça m'aide beaucoup. En tout cas, je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à demain pour les débriefs de la Ligue 1, mais à lundi prochain 17h sur Twitch en direct et 18h30, 19h en rediff sur YouTube. Même heure, même jour, même terrain. Et en attendant, je vous dis que le sport n'est pas que du business, non. C'est avant tout un sport populaire. Allez, ciao les amis. Salut. Ciao. Oh, écran noir. Allez, ciao, salut.